demandez pourquoi je suis ici? Tout est parti d'une histoire un peu dingue. On avait tous décidé de suivre une formation de communication, d'entreprise et de gestion événementielle. Un groupe super chouette, plein de gens hyper motivés, mais de profils complètement divers. Un jour, lors du cours de communication web, avec Alexandre Frédéric, un de nos formateurs, qui nous explique que JC Deco a développé un nouveau produit. Monaffiche.be. Chacun peut louer son propre emplacement personnel. Une semaine pour une somme relativement modique. Pourquoi on ne prendrait pas ça pour faire notre propre campagne pour trouver un emploi? Ce serait quand même une bonne occasion de se faire remarqué par des employeurs potentiels. Ça matchait, on avait une belle histoire. Celle de 6 Bruxellois qui s'unissent pour réaliser une campagne de communication au moyen d'un média innovant. Chacun d'entre nous va choisir un lieu pour interpeller un employeur. Oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Oui, c'est une démarche très innovante et qui attire certainement l'attention. T'es vraiment dans ce qui change le monde de la communication aujourd'hui. Mmh. C'est pas de la promo. C'est de l'engagement, c'est ça. Donc tu prends les gens avec toi, c'est interpellant. Et ce qui est important, c'est que d'autres vont parler de toi. L'affichage est souvent un média assez statique, mm-hmm. Ils sont en train de changer aujourd'hui la façon dont ils l'utilisent. Et ça, c'est un bon exemple en fait, c'est précisément un bon exemple. Ouais. D'abord, c'est un projet qui a le mérite de faire parler de lui. Il est innovant, il est peps, dynamique, il est original parce qu'il sort finalement des sentiers battus et du simple CV envoyé de manière finalement assez anonyme. Pour moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le côté audace, entreprendre. Le deuxième, c'est certainement le côté créatif, original. Et le troisième, c'est le côté finalement entrepreneur, qui est essentiel dans la réussite d'aujourd'hui. Bonjour. Je trouve ça fantastique parce que d'abord, je suis sensible à la question de l'emploi. Je sais comme c'est dur aujourd'hui. Quand on est chercheur d'emploi, de se faire remarquer. Là, je trouve que c'est une manière vraiment originelle de se présenter. Je trouve que les partenaires mobilisés, Bruxelles Formation, nous en tant qu'employeurs, et puis cette belle histoire, je trouve que c'est vraiment une belle histoire.